L'éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Jacques Louvresse consacre cette année son cours, intitulé Kurt Gödel, mathématiques, logique et philosophie, à la philosophie de Kurt Gödel, qui accompagne parfaitement ses découvertes mathématiques, dont on connaît surtout les deux fameux théorèmes d'incomplétude qui portent son nom. Cette philosophie est évidemment infinitiste et elle s'appuie sur la grande tradition philosophique européenne. Gödel, qui est platonicien, est un grand lecteur de Kant, par exemple, mais aussi, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, de Husserl. Ce matin, Jacques Bouvresse poursuit l'analyse des positions philosophiques de Gödel. Nous savons que la pensée est toujours née de controverses vives, pour ne pas dire vigoureuses. Il en est ainsi entre Gödel et Carnap, deux mathématiciens, tous deux d'immenses penseurs qui ne cesseront de s'opposer, notamment parce que Gödel souhaitait cette confrontation qu'il n'a cessé d'amplifier. Hier matin, Jacques Bouvresse avait conclu son cours sur le désaccord autour de la question syntaxique. Nous savons en effet que Carnap pensait que les propositions mathématiques peuvent être comprises comme des règles syntaxiques. Thèse que Gödel ne cessera de réfuter. Je cite le court extrait d'un article de Gödel en réponse à Carnap, texte traduit pour son cours par Jacques Bouvresse. Le schéma du programme syntaxique, qui propose de remplacer l'intuition mathématique par des règles pour l'usage des symboles, échoue parce que ce remplacement détruit toute raison d'espérer la consistance qui est vitale, à la fois pour les mathématiques pures et pour les mathématiques appliquées. Et parce que, pour la démonstration de consistance, on a besoin ou bien d'une intuition mathématique de la même puissance que pour discerner la vérité des axiomes mathématiques, ou bien d'une connaissance de faits empiriques impliquant un contenu mathématique équivalent. Ce matin, Jacques Bouvresse poursuit l'étude du débat Gödel-Carnap. Si on adopte le point de vue de Carnap, le principe de tolérance oblige à reconnaître à chacun le droit de choisir son système de langage comme il l'entend. Le principe de tolérance dit encore une fois, en logique, il n'y a pas de morale, chacun a le droit de choisir sa syntaxe comme cela lui convient. Par conséquent, à la limite, on a le droit d'utiliser, si l'on y tient, un système de règles inconsistant. Évidemment, un système de cette sorte se révélera rapidement très mal commode, pour ne pas dire à peu près impossible à utiliser, mais c'est évidemment une question qui est essentiellement pragmatique. De plus, ce qui est important, évidemment, n'est pas de savoir si on peut ou non démontrer par des moyens suffisamment élémentaires et par conséquent fiables la consistance du système de convention que l'on propose pour représenter les mathématiques. La question cruciale, c'est que ce système soit consistant, pas nécessairement que l'on soit en mesure de démontrer qu'il l'est. Il peut y avoir des raisons non démonstratives de considérer que le système est effectivement consistant, sans qu'il soit possible d'aller sans que l'on puisse espérer obtenir une démonstration en bonne et due forme du fait que ce système est consistant. Néanmoins, ça ne répond pas totalement à l'objection de Gödel, parce que Gödel a une bonne raison de considérer que la question de la consistance est cruciale pour les conventionnalistes. Elle est cruciale, selon lui, parce que tant que l'on n'a pas établi la non-contradiction du système de conventions considérées, on ne peut pas être certain que les conventions en question ne sont pas réfutables et par conséquent pourvues d'un contenu factuel. Vous voyez où se situe le problème. Si le système de conventions se trouve être inconsistant, à ce moment-là, ce système, comme vous savez, d'un système de propositions inconsistant, on peut déduire n'importe quelle espèce de proposition, donc en particulier des propositions factuelles. Par conséquent, si le système de convention est inconsistant, pour dire les choses clairement, on ne peut plus avoir aucune certitude qu'il s'agit bien d'un système de convention, puisque, encore une fois, il y a ce risque que le système soit inconsistant, donc réfutable, ce qui signifierait que les propositions qu'il contient sont bel et bien pourvues d'un contenu, et qui plus est, d'un contenu factuel. Alors, je dois avouer que cet argument me laisse un peu perplexe. J'ai le sentiment obscur qu'il n'est pas totalement convaincant, mais
comme je ne suis pas encore parvenu à me faire une idée arrêtée sur ce qu'il faut en penser, je vous en reparlerai sans doute un peu plus tard. Alors avant d'aller plus loin, il faut sans doute, puisque c'est sur ce point que semble porter l'essentiel du désaccord entre Gödel et Carnap, apporter quelques précisions sur la façon dont Carnap comprend et discute les questions ontologiques, celles qui ont trait à l'existence de certaines catégories d'entités, comme par exemple les objets physiques, les concepts, les nombres ou les ensembles. Le point crucial est de savoir dans quelle mesure il est possible, premièrement, d'attribuer un contenu cognitif à des questions de cette sorte, ont-elles ou non un contenu cognitif, et deuxièmement, dans quelle mesure est-il possible d'y donner une réponse par oui ou non. L'exposé le plus explicite et le plus précis que Carnap ait donné de sa position sur ce genre de questions se trouve dans un texte qui s'intitule Empiricism, Semantics and Ontology, donc empirisme, sémantique et ontologie, un texte qui date de 1950 et qui a été reproduit à la suite de Meaning and Necessity. Brian Norton, que je crois que j'ai déjà eu l'occasion de citer, qui est l'auteur d'un livre paru en 1977 intitulé Linguistic Frameworks and Ontology, donc le système ou cadre de référence linguistique et ontologie, le sous-titre du livre est un réexamen de la métaphilosophie de Carnap. Alors dans ce livre de 1977, Brian Norton donne la réponse que voici à la question de savoir comment les assertions ontologiques doivent être interprété d'un point de vue carnapien. Alors, je vous ai traduit ce passage, le voici. C'est donc Brian Norton qui s'exprime. Carnap, dit-il, a développé une distinction entre les questions internes et les questions externes. Les questions internes sont celles qui sont posées à l'intérieur d'un système linguistique. Donc, je traduis linguistic framework par système linguistique. Donc, les questions internes sont celles qui sont posées à l'intérieur d'un système linguistique accepté, et inclut les questions scientifiques ordinaires, les questions de logique et de mathématiques, etc. La caractéristique importante de ces questions, les questions internes, est le fait que celui qui les pose a déjà accepté un ensemble de règles pour le discours et la recherche. Ces règles fournissent un ensemble de conditions, soit logiques, soit empiriques, pour décider de la vérité des réponses à ces questions internes. Les questions externes, en revanche, sont posées en dehors de tout système particulier, donc ce sont des questions extra-systématiques. Ce sont des questions concernant le système linguistique, et elles peuvent être considérées comme des choix pragmatiques à faire concernant le système approprié pour un but donné. La réponse à ces questions déterminera les conditions de vérité et de fausseté de questions internes posées à l'intérieur de ce système. Je pense qu'il serait plus exact de dire les conditions de vérité et de fausseté, non pas de questions internes, mais des réponses à des questions internes posées à l'intérieur de ce système. Les questions ontologiques sont, dans la conception de Carnap, une espèce de question externe. Cela étant, leurs réponses doivent être interprétées comme des expédients linguistiques temporaires acceptés pour une fin humaine particulière, peut-être passagère. On dit ce qui est en cause, c'est le choix d'un système de langage approprié, c'est un point essentiel, j'y reviendrai, approprié pour une tâche déterminée. Il n'est pas question de... Il ne peut pas être question de considérer un système de langage comme correct dans l'absolu. Il ne peut l'être que relativement à une certaine fonction qu'il a à remplir. Alors, pour y voir plus clair sur la nature de cette distinction, qui est en effet une distinction tout à fait fondamentale chez Carnap, notons que, par exemple, la question de savoir s'il existe ou non un quadruplé de nombres x, y, z et n avec n plus grand que 2, tel que x puissance n plus y puissance n égale z puissance n, cette question est une question interne, tout à fait typique, et on sait à présent, mais depuis peu de temps relativement, que la réponse est négative. En revanche, la question de savoir si des entités telles que les nombres naturels existent ou non est pour Carnap le prototype de la question externe. Ce genre de question n'est pas scientifique et n'est même pas non plus à proprement parler théorique. Mais cela ne signifie pas qu'il soit dépourvu de contenu et qu'il ne se prête pas à une forme quelconque de discussion rationnelle. Et même qu'on ne puisse pas, le cas échéant, parvenir, à propos de questions de cette sorte, à une décision qui mérite d'être considérée comme rationnellement justifiée. Une fois que les assertions ontologiques ont fait l'objet d'une reformulation appropriée, qui les fait apparaître comme ayant trait au choix d'un système de langage adéquat, pour un objectif déterminé, elles peuvent tout à fait être débattues. Mais une conséquence immédiate qui résulte
de l'interprétation adoptée par Carnap, et qui n'est certainement pas acceptable pour Gödel, est que les questions de cette sorte n'ont aucune signification absolue. Elles ne peuvent pas recevoir une réponse définitive par oui ou non, puisque le caractère approprié ou non d'un système linguistique ne peut être jugé que par rapport à un objectif déterminé et n'est pas une question du type tout ou rien, mais seulement une question de degré. Et là, Carnap considère ça comme un progrès essentiel, puisque il estime que dorénavant, les philosophes vont pouvoir, une fois abandonné cette prétention à l'absoluité, les philosophes vont pouvoir discuter calmement et sereinement et de façon rationnelle des questions qui les divisent. Donc, encore une fois, la discussion est tout à fait possible et Carnap estime que la proposition qu'il fait est de nature à créer des conditions qui amélioreront considérablement la discussion et qui sont susceptibles de la faire progresser de façon importante. Alors, voici ce que dit sur ce point Norton concernant donc la position défendue par Carnap. Il, c'est-à-dire Carnap, comme Quine, voyait les questions ontologiques comme des positions, je traduis tant bien que mal le terme anglais posits, donc des positions effectuées. Les entités auxquelles une théorie est engagée sont relatives au système conceptuel dans lequel la théorie est énoncée. Ni le système ni la théorie n'ont une quelconque prétention à la corruption absolue. Par conséquent, les entités en question ne sont pas découvertes, le mot est souligné, elles n'ont pas de prétention à la réalité. Ce qui est vrai est plutôt qu'elles sont posées, elles n'existent que comme des moyens utiles d'atteindre un certain but humain. Encore une fois, il n'est pas possible de se prononcer sur ce genre de questions de façon absolue. On ne peut se prononcer que relativement à une tâche déterminée que l'on essaie d'accomplir. Donc les entités dont il s'agit, les entités sur l'existence desquelles on discute en général de façon ouvertement ontologique, donc ces entités ne sont pas des entités qui ont un caractère naturel, ce sont des entités qui ont été posées pour les besoins d'une recherche scientifique d'une certaine sorte, et encore une fois il n'est pas question de les considérer comme susceptibles d'exister ou de ne pas exister d'une façon qui pourrait être considérée comme absolue. Il est important, ajoute Norton, cependant, de ne pas souligner avec excès les aspects non cognitifs des questions externes. Autrement dit, les questions externes ont tout de même des aspects cognitifs, même s'il arrive à Carnap de donner l'impression de penser qu'elles n'en ont pas. Elles sont relatives à des fins particulières, mais étant donné une formulation appropriée, elles peuvent être décidées en référence à une fin particulière déclarée. Autrement dit, il est possible de décider, de déterminer que pour tel ou tel type d'objectif, tel ou tel système de langage est objectivement plus approprié qu'un autre. La différence importante entre les questions externes et les questions internes dans ces conditions est qu'elles diffèrent dans leurs conditions de vérité. Carnap a parfois souligné cette différence en parlant des questions externes comme étant non cognitives ou comme n'étant ni vraies ni fausses. Encore une fois, il vaudra mieux parler non pas des questions comme n'étant ni vraies ni fausses, mais plutôt des réponses comme n'étant ni vraies ni fausses. Une lecture attentive de Carnap montre toutefois que l'on peut décider ces questions métathéoriques et elles doivent être décidées d'après l'utilité pragmatique du système pour un objectif donné. Donc non seulement elles peuvent être discutées, mais il est même possible, le cas échéant, de réussir à les décider et de le faire, en fonction de quels critères. Le critère est celui qu'indique Norton, elles doivent être décidées d'après l'utilité pragmatique du système, comprenez du système en discussion, pour un objectif donné. Fin de citation. Présentée de cette manière, la position de Carnap sur les questions ontologiques apparaît sûrement comme beaucoup moins inacceptable qu'elle ne pourrait le sembler au premier abord et qu'on ne le croit généralement. Même si Carnap ne donne pas à des assertions comme celles qui affirment l'existence des nombres, des ensembles ou des objets mathématiques en général, le sens qu'on leur donne habituellement, il n'a évidemment pas non plus l'intention de nier que ce genre de choses existe. Et il peut même, comme le souligne Norton, reconnaître que les assertions dont il s'agit, celles qui affirment l'existence d'objets de cette sorte, ont bel et bien des conditions de vérité et que celles-ci, comprises comme elles doivent l'être, peuvent même être de surcroît réalisées. Autrement dit, il peut y avoir des raisons objectives qui font qu'il y a tout intérêt à préférer un certain système, un système donné à un autre, encore une fois, pour un objectif déterminé. Et dans ce cas-là, les conditions de vérité de la proposition qui affirme que l'un de ces systèmes est meilleur
que l'autre, les conditions de vérité de cette proposition sont effectivement remplies, même si elles ne sont pas du type auquel on a l'habitude de penser. Cependant, le problème qui se pose est que ce qui est susceptible de rendre les propositions en question, les propositions ontologiques, vraies, est uniquement le fait qu'un système linguistique et conceptuel déterminé s'avère dans les faits utile et même peut-être indispensable pour un objectif déterminé. Or, c'est une solution qui est, comme je l'ai dit, tout à fait irrecevable pour Gödel, dont la position reste sur ce point parfaitement classique et même traditionnelle. Gödel ne pense pas que les assertions formulées en réponse à des questions ontologiques, et donc du point de vue de Carnap externe, il ne pense pas que ces assertions aient des conditions de vérité qui sont d'un type différent de celui des conditions de vérité, des réponses qui peuvent être données à des questions internes. Autrement dit, aussi bien les questions externes que les questions internes ont le même type de conditions de vérité. À la différence de Carnap, Gödel perçoit l'ontologie comme étant plus ou moins dans la continuité de la science. Il considère les questions ontologiques comme des questions qui sont clairement de nature cognitive et théorique. Il pense qu'elles ont une signification qui n'est pas simplement relative et qu'elles admettent une réponse qui ne l'est pas davantage. Autrement dit, la réponse n'est pas déterminée uniquement par des considérations pragmatiques, même si des considérations de cette sorte peuvent effectivement avoir aussi à intervenir. Et Gödel est le premier à reconnaître que des considérations pragmatiques peuvent tout à fait intervenir dans ce genre de questions. Il souligne par exemple qu'un axiome peut être accepté parce qu'il est évident ou parce qu'il présente un certain degré d'évidence, mais il peut aussi y avoir d'excellentes raisons de l'accepter pour une raison qui est de nature sensiblement différente et qui est essentiellement pragmatique, à savoir le fait que à partir du moment où on l'a accepté, on est en mesure de déduire beaucoup plus commodément un grand nombre de conséquences vraies. Par conséquent, on ne peut pas, sûrement pas soupçonner Gödel d'être insensible à l'existence et à l'importance de considérations de type pragmatique qui interviennent dans l'acceptation de tel ou tel type de principe. Mais, encore une fois, en ce qui concerne les assertions ontologiques, il considère qu'elles ont un caractère elles ont aussi un caractère cognitif et théorique, et par conséquent, elles possèdent des conditions de vérité qui ne sont pas fondamentalement différentes de celles des assertions internes. En un certain sens, ce qui peut être reproché d'un point de vue gödelien à Carnap n'est pas de n'être pas suffisamment tolérant, mais plutôt de l'être trop, puisqu'il reconnaît à chacun le droit de choisir comme il l'entend sa forme de langage, et par voie de conséquence son ontologie, sans que l'un ou l'autre de ces choix puisse être considéré dans l'absolu comme correct ou même simplement meilleur que d'autres. Alors que Gödel reste, lui, tout à fait attaché à l'idée traditionnelle qu'il doit y avoir un de ces choix qui est le bon. Et dans le cas des mathématiques, Gödel, manifestement, est resté fidèle à l'idée que le bon choix ontologique, c'est celui du réalisme mathématique. Comme le fait remarquer Norton, quand il s'agit de se prononcer sur ce que disent les métaphysiciens, en particulier lorsqu'ils formulent des assertions ontologiques, Carnap tient en fait deux types de discours sensiblement différents. D'un côté, il soutient que la métaphysique est un moyen d'expression inadéquat pour les attitudes émotionnelles que l'on cherche à exprimer à travers elle et qu'elle pourrait être remplacée sans aucune perte par l'art. Je vous ai cité un passage très typique où il défend ce genre d'idée. La métaphysique fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. Elle crée la fiction d'un contenu théorique, là où il n'y a pas de contenu théorique, et en fait même pas de contenu du tout. Comme le souligne Norton, ce type de diagnostic, qui est formulé notamment dans Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache, le fameux texte dans lequel Carnap polémique, en particulier contre Heidegger, alors, ce type de diagnostic, je cite ce que dit Norton, insiste sur l'élément émotif et sur la force poétique de la métaphysique, et il conclut que les énoncés de la métaphysique sont cognitivement dépourvus de signification. Donc, ils n'ont pas de contenu cognitif, ni même de signification cognitive. Ce type de discours, dit Norton, est agressif et dénonciateur. Ça, c'est incontestable. Mais il faut remarquer que le genre de discours qui lui est opposé et contre lequel il réagit, je veux dire celui de Heidegger et de ses partisans,
on ne peut pas dire non plus qu'il soit dépourvu d'agressivité et d'une certaine tendance à pratiquer lui aussi la dénonciation. Donc on ne peut pas dire que l'effort de compréhension de part et d'autre ait été très grand. Mais, alors ça, donc c'est un aspect de la position, un aspect essentiel de la position que Carnap défend en ce qui concerne le statut des assertions métaphysiques, mais il est également capable de s'exprimer sur ce genre de questions de façon plus compréhensive et constructive, ou plus exactement reconstructive. C'est ce qu'il fait, par exemple, dans un texte qui s'intitule « Sur le caractère des problèmes philosophiques », dont je vous ai reproduit un extrait, que voici. Alors, donc, le texte s'appelle « Sur le caractère des problèmes philosophiques », et c'est un texte qui est de 1934, hein, qui a été publié dans la revue « Philosophy of Science ». Alors, Carnap dit ceci, « En adoptant la position selon laquelle tous les problèmes philosophiques sont des questions ayant trait à la syntaxe du langage de la science, nous ne comprenons pas cela comme une proposition ou même une prescription pour limiter la recherche à un domaine de questions déterminées, apparemment très étroit. Nous voulons dire beaucoup plus que cela. Dès lors que l'on formule exactement une question de philosophie comme une question de logique de la science, on observe qu'il s'agit d'une question relevant de l'analyse logique du langage de la science, et une recherche plus poussée enseigne alors que chaque question de cette sorte est susceptible d'être formulée comme une question formelle, à savoir une question ayant trait à la syntaxe du langage de la science. Tous les théorèmes de philosophie ne prennent une forme exacte, discutable, que quand nous les formulons comme des assertions ou des propositions, au sens de suggestions, hein, c'est le bon anglais, c'est proposals. Donc, tous les théorèmes de philosophie ne prennent une forme exacte, discutable, que quand nous les formulons comme des assertions ou des propositions de la syntaxe du langage de la science. Fin de citation. Passons sur l'impression que l'on pourrait avoir que la philosophie se trouve ainsi plus ou moins réduite à la seule philosophie des sciences. Effectivement, si on s'en tient à la lettre de ce passage, c'est l'impression qu'on risque de retirer de sa lecture. Le point important est en fait l'insistance qui est mise sur la distinction qui doit être faite entre le mode de discours formel, ce que Carnap appelle en allemand « formale redeweise », et le mode de discours contentuel, « inhaltliche redeweise ». Alors le mode de discours formel, donc c'est le mode de discours contentuel, c'est le mode de discours dans lequel on parle des choses, par exemple des nombres. Le mode de discours formel, c'est le mode de discours que l'on utilise pour parler des expressions, non pas des choses, mais des expressions qu'ils représentent. Par exemple, un énoncé typique formulé dans le mode de discours contentuel, c'est « il y a des nombres ». Il y a des objets tels que les nombres naturels. L'équivalent de cet énoncé, enfin la transcription de cet énoncé dans le mode de discours formel consisterait à dire, au lieu de cela, il y a des expressions numériques. Il y a, comprenez, il y a dans le système de langage qu'on a décidé d'utiliser ou qu'on est en train d'utiliser des expressions numériques. Alors j'en viens maintenant à la sixième des questions dont je voulais vous traiter, que j'ai intitulée Logique, ontologie et métaphysique, Gödel, critique de Carnap. Alors je voudrais vous entrer de façon un peu plus précise donc dans le vif du sujet, concernant la confrontation qu'il y a eu entre Gödel et Carnap sur les questions de philosophie des mathématiques et de philosophie en général. J'ai déjà eu l'occasion de vous signaler que, en dépit des arguments décisifs dont il avait l'impression de disposer contre Carnap, Gödel n'était pas suffisamment satisfait de ce qu'il avait écrit ou ne s'est pas senti suffisamment sûr de lui pour publier la critique du programme syntaxique sur laquelle il avait travaillé pendant si longtemps, puisque, si vous vous en souvenez, il en avait rédigé 6 versions successives, dont aucune ne l'a satisfait suffisamment pour qu'il accepte de la remettre à l'éditeur. Il a donné une fois comme raison de sa décision de ne pas publier le texte, il a donné comme raison à Hao Wang, je cite, son jugement que bien que l'article a démontré que les mathématiques n'étaient pas soulignées de la syntaxe du langage, il n'avait pas rendu clair ce que sont les mathématiques. Autrement dit, il a estimé qu'il avait été en mesure de démontrer ce que les mathématiques ne sont pas, mais pas de démontrer ce qu'elles sont. Ce qui veut dire qu'il était à la recherche, non pas seulement d'une... Il cherchait pas seulement à disqualifier les autres réponses, les réponses rivales qu'on peut apporter à la question, mais il aurait voulu, semble-t-il, également aboutir à une démonstration positive de la vérité de sa propre position, à savoir le réalisme mathématique.
Il a également invoqué comme raison supplémentaire le fait que, je cite, compte tenu de préjugés largement répandus, cela peut faire plus de mal que de bien de publier un travail à moitié fait. Je suis tout à fait d'accord sur la fin, sur le fait que ça peut faire plus de mal que de bien de publier un travail à moitié fait. En revanche, on peut formuler des réserves sur sur la façon dont Gödel pense que les préjugés qui étaient largement répandus dans les années 30 continuaient à l'être tout autant dans les années 60. Warren Goldfarb, dans sa présentation du texte de la conférence sur Carnap, observe que, je cite, enfin, j'ai dit du texte de la conférence sur Carnap, je ne devrais pas dire de la conférence, puis c'est pas le texte, c'est de l'article, je devrais dire de l'article sur Carnap. Donc, dans sa présentation du texte de cet article, Warren Goldfarb observe que, je cite, « Ici, Gödel manifeste sa prudence caractéristique, en même temps que sa surestimation de la mesure dans laquelle les dogmes positivistes, ce qu'il appelle des préjugés largement répandus, continuaient à représenter une orthodoxie autour de 1959. » Mais ça, c'est une tendance tout à fait générale chez Gödel, sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion d'attirer votre attention. Il a une tendance assez nette à considérer, d'une part, à exagérer encore la distance qui existe entre ses propres positions et le Zeitgeist, hein, entre ce qu'il pense et ce qui est accepté par l'orthodoxie dominante. Donc il a tendance à exagérer cette distance et également à ne pas se rendre compte que le temps passe et que les positions peuvent changer. Notez qu'il est assez difficile de lui jeter la pierre sur ce point, parce que si je me souviens de la façon dont les choses se passaient dans les années 60, il y avait aussi en France un bon nombre de gens qui pensaient que le positivisme logique, je veux dire, les gens informés savaient que le positivisme logique était mort, et même l'était depuis un certain temps, mais il y avait aussi des gens qui pensaient, même en France, qu'il était non seulement bien vivant, mais qu'il était presque sur le point de nous envahir. Enfin, c'est un problème auquel j'ai été confronté assez directement dans ma jeunesse, et ça veut dire que malheureusement sur ce genre de questions les philosophes vivent à peu près autant dans le fantasme que dans la réalité. Bon, enfin, passons sur ce point. Je voulais dire simplement que Gödel n'est pas le seul à se révéler assez incapable d'évaluer réellement la situation, c'est-à-dire décider de ce à quoi ressemble exactement ce qu'on peut appeler l'orthodoxie dominante et du degré exact de pouvoir et d'influence que détiennent ses représentants. Alors, quoi qu'il en soit, ce qu'il a dit à Wang semble suggérer que Gödel n'était pas prêt à se contenter d'une preuve seulement indirecte de la vérité du platonisme, par exemple d'une preuve par élimination, autrement dit par la réfutation de toutes les doctrines concurrentes. Il était apparemment à la recherche d'une preuve nettement plus positive et directe. Un des problèmes que posent de toute façon les démonstrations par élimination est bien entendu qu'il faut être certain d'avoir passé en revue toutes les possibilités existantes. Gödel résume ce qu'il a fait dans la conférence Gips, donc la conférence de 1951, en disant qu'il a réfuté la conception nominaliste, qui considère les propositions mathématiques comme se réduisant à de simples conventions de langage, et qu'il a, en plus de ça, avancé des arguments de poids contre la conception plus générale selon laquelle les mathématiques sont notre propre création. Donc ça, c'est très important pour bien comprendre l'idée qui se fait de ce qu'il estime avoir fait. Il estime qu'il a réfuté donc la conception qu'il appelle nominaliste, d'après laquelle les propositions mathématiques sont des propositions qui traitent de symboles, donc sont des propositions qui ont trait au langage et en aucun cas à une réalité que les propositions en question représenteraient, à savoir la réalité mathématique. Et puis d'autre part, il estime qu'il a avancé des arguments de poids, mais pas nécessairement démonstratifs, hein, qu'il a avancé des arguments de poids contre une conception plus générale, qui est la conception d'après laquelle les mathématiques sont notre propre création. Vous vous souvenez peut-être, j'avais parlé de ça la dernière fois, que pour lui, la conception conventionnaliste est la forme à la fois la plus explicite et la plus radicale de la conception créativiste. C'est la conception qui soutient, de la façon la plus explicite et la plus radicale qui soit, que les mathématiques sont et sont uniquement notre propre création. Elle résulte simplement du fait que nous avons pris la décision d'adopter
un certain type de conventions linguistiques, et donc elles sont, par conséquent, elles sont de façon tout à fait directe et intégralement notre œuvre. Mais Gödel admet qu'il y a encore, en dehors des conceptions de cette sorte, d'autres types de réponses possibles, en plus du platonisme. En particulier, dit-il, le psychologisme et le réalisme aristotélicien, qui sont deux conceptions sur lesquelles il ne s'attarde pas beaucoup. Son impression est cependant qu'après une clarification suffisante des concepts impliqués, je cite, « il sera possible de mener ces discussions avec une rigueur mathématique et que le résultat sera alors que, sous certaines assumptions qui peuvent difficilement être niées, en particulier l'assumption qu'il existe quelque chose comme la connaissance mathématique, la conception platonicienne est la seule qui soit tenable. » Donc, ça, vous trouvez ça dans le Collected Works, le volume 3, page 323. Donc, vous voyez que Gödel estime qu'il devrait être possible assez rapidement de discuter ces questions de philosophie des mathématiques avec une rigueur mathématique, ce sont ses propres termes, et d'aboutir à un résultat qui pourra être considéré comme démontré lui aussi avec une rigueur mathématique, à savoir que c'est la conception platonicienne qui représente la seule conception philosophiquement tenable. En d'autres termes, même s'il est tout à fait conscient des limites de ce qu'il a réussi à faire lui-même dans le cas précis, Gödel ne semble pas douter de la possibilité de discuter certaines questions philosophiques avec quelque chose qui ressemble fortement à une forme de rigueur mathématique. Cela s'explique assez facilement compte tenu du fait que s'il est de façon générale tout à fait pessimiste en ce qui concerne les orientations adoptées de façon préférentielle et parfois exclusive par la philosophie contemporaine, il a en revanche une conception à la fois très traditionnelle, très optimiste, des possibilités de la philosophie elle-même, de la philosophie en général et de la philosophie exacte en particulier. D'une certaine façon, dans des domaines comme la philosophie des mathématiques, les choses sérieuses ont selon lui à peine commencé et il se peut qu'il faille attendre encore longtemps pour obtenir des résultats que personne ne pourra plus songer à discuter. Mais il n'y a pas plus de raison aujourd'hui qu'hier de considérer l'obtention de résultats de cette sorte comme impossible. Gödel pense, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer, qu'on peut apparemment, dans un sens plus ou moins littéral, réfuter le conventionnalisme syntaxique. Wiedemann soutient que non. Pour lui, même avec toutes les objections que l'on peut avancer contre lui et les difficultés considérables qui semblent s'opposer à la réalisation de son programme, je veux dire du programme conventionnaliste ou comme l'appelle Gödel, syntaxique, donc en dépit de toutes les objections qu'on peut avancer contre lui, de toutes les difficultés qui peuvent se présenter lorsqu'on essaie de le réaliser, ce genre de conception demeure, estime Wiedemann, une réponse possible et une réponse qu'un philosophe peut choisir. Georges Boulos, à la fin de sa présentation de la conférence Gips de Gödel, observe que, je cite, « ce qui est surprenant ici n'est pas l'engagement en faveur du platonisme, mais la suggestion qui rappelle le projet leibnizien d'une caractéristique universelle, la suggestion qu'il pourrait y avoir, puisque je vous ai reproduit le texte, peut-être que je vous l'affiche, excusez-moi, ce qui est surprenant ici n'est pas l'engagement en faveur du platonisme, mais la suggestion qui rappelle le projet leibnizien d'une caractéristique universelle, qu'il pourrait y avoir une discussion mathématiquement rigoureuse de ces questions, dont la correction de toute conception de cette sorte, c'est-à-dire de toute conception de l'espèce du platonisme mathématique, pourrait être un résultat. » Ça, c'est incontestable. Il y a chez Gödel ce côté leibnizien qui se rattache à l'espérance leibnizienne qu'un bon nombre de questions philosophiques cruciales pourraient être décidées tout simplement par le calcul. Hein. Calculemus, ou comme dit Leibniz en français, comptons monsieur, nous serons bientôt hors d'affaires. Hein. C'est-à-dire, faisons le calcul, puis nous aboutirons à une réponse que personne ne pourra songer sérieusement à discuter. Or, il y a incontestablement chez Gödel une certaine tendance à croire à ce genre de ce type de possibilité, ou si vous préférez à rêver de quelque chose de cette sorte. Alors Gödel, Boulos, qualifie le platonisme de plutôt impopulaire parmi les mathématiciens. Il est probablement plutôt plus populaire à présent parmi eux
dans une certaine mesure à cause de la façon dont il a pris sa défense. Mais peut-être de façon plus importante parce que toute autre conception directrice semble souffrir de déficiences mathématiques ou philosophiques sérieuses. Incontestablement, Gödel a gagné la partie sur un point, c'est-à-dire qu'il est probable que les difficultés auxquelles se heurtent les autres solutions sont devenues, grâce à lui, nettement plus apparentes, mais en revanche, a-t-il réussi à argumenter de façon... d'une façon susceptible d'être considérée comme réellement démonstrative en faveur de sa propre position, à savoir le platonisme mathématique. Et est-il possible, de façon générale, de faire quelque chose de ce genre? C'est évidemment beaucoup moins sûr. Ce qui amène Boulos à remarquer l'idée de Gödel que nous arriverons un jour à atteindre une clarté suffisante à propos des concepts impliqués dans la discussion philosophique soulignée des mathématiques pour être en mesure de démontrer mathématiquement la vérité d'une certaine proposition dans la philosophie des mathématiques. Cependant, cette idée apparaît significativement plus difficile à croire à présent que son platonisme. Donc il est plus difficile de lui donner raison quand il pense que le platonisme est vrai que de lui donner raison dans son idée que cette vérité devrait pouvoir être démontrée avec ce qu'il appelle une rigueur mathématique. Le théorème de Gödel est un résultat dont personne ne pourrait contester qu'il a un caractère rigoureusement mathématique. Et c'est un résultat mathématique qui présente en outre la particularité relativement rare d'avoir apparemment des implications philosophiques plus ou moins directes. Peut-on considérer que ces implications ont été elles aussi d'une certaine façon démontrées mathématiquement? Ce serait sûrement un événement considérable et dont il n'existe pas beaucoup d'exemples dans l'histoire des doctrines philosophiques, s'il était vrai que Gödel a, par exemple, démontré mathématiquement la fausseté de la conception formaliste positiviste des mathématiques, et peut-être même la vérité du réalisme. Il vaut la peine sur cette question de regarder d'un peu plus près la façon dont les choses se sont passées entre lui et Carnap, et de quelle manière les résultats d'incomplétude ont contribué à modifier ou échoué à modifier les idées de Carnap sur la logique, les mathématiques et la philosophie de ces deux disciplines. Le moins que l'on puisse dire est que, sans pour autant céder sur l'essentiel, Carnap était doué de capacités d'adaptation tout à fait remarquables et il en a donné à nouveau la preuve dans les circonstances dont nous parlons. On peut parler d'une collaboration réelle qui a eu lieu pendant les années viennoises de Gödel entre lui et Carnap, puisque Gödel a bénéficié à la fois des enseignements et des encouragements de Carnap, et qu'il a de son côté apporté une contribution, pour laquelle Carnap le remercie du reste explicitement dans le livre, à la préparation du manuscrit définitif de la syntaxe logique du langage. Il est tout à fait clair, j'y avais déjà insisté, qu'en dépit de sa jeunesse et du fait qu'il n'était encore, quand Carnap a fait sa connaissance, qu'un novice en logique, Gödel est devenu rapidement, à ses yeux, une autorité dont la vie était particulièrement précieuse. Du point de vue historique, il sera utile peut-être de rappeler que Carnap était entré en fonction à l'automne 1926 comme Privatdozent à l'université de Vienne, où sa candidature avait été préférée à celle de Reichenbach, notamment à cause de l'estime que Hahn éprouvait pour sa thèse d'habilitation, qui allait être publié 2 ans plus tard, après avoir été retravaillé. Elle a été publiée en 1928 sous le titre « Der logische Aufbau der Welt », dont il existe maintenant une traduction française. Au nombre des événements importants de ces années-là figurent également le retour de Karl Menger, qui, après avoir passé quelques années à Amsterdam, avait, notamment à cause de certains différends qu'il semble avoir eus avec Brauer, décidé de revenir à Vienne. En 1927, Menger s'est chargé d'organiser une invitation de Brauer à donner 2 conférences à l'université de Vienne, deux conférences qui ont eu lieu en mars 1928. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'indiquer, les biographes et les commentateurs hésitent parfois sur la question de savoir si Gödel a assisté ou non en personne à la première de ces 2 conférences intitulée « Mathématik, Wissenschaft und Sprache », donc « Mathématiques, sciences et langage ». Une conférence dans laquelle Brauer insistait notamment sur l'insuffisance radicale du formalisme et du langage en général dans les mathématiques, le rôle absolument essentiel et inéliminable de l'intuition
dans la détermination de la vérité des propositions mathématiques, et ce sur quoi il insistait, sur une chose sous laquelle Gödel est revenu lui-même fréquemment par la suite, sous le nom de caractère inépuisable des mathématiques, ou inépuisabilité des mathématiques. Il semble en fait pratiquement certain que Gödel a bel et bien assisté à cette conférence. Karl Menger m'a certifié lui-même qu'il était bel et bien présent, mais c'est déjà un homme âgé au moment où il m'a dit ce genre de choses, et on peut toujours être trahi par sa mémoire. Mais il y a tout de même un passage d'une lettre de Gödel qui est datée du 21 avril 1972, une lettre à Menger, précisément, dans laquelle Gödel écrit ceci: « Je n'ai jamais été présenté à Wittgenstein et n'ai jamais échangé un mot avec lui. Je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie quand j'ai assisté à une conférence. Je crois que c'était celle de Brauer. » Donc c'est Gödel lui-même qui donne ce genre d'indication. Et comme c'est sûrement la seule et unique conférence philosophique à laquelle Wittgenstein a pu consentir à assister au cours de ces années-là, il n'y a guère de doute sur le fait que c'est bien dans les circonstances qu'il évoque que Gödel l'a vu. En revanche, Carnap, qui était à ce moment-là malade et est resté absent de Vienne depuis l'automne de 1927 jusqu'à la fin du mois d'avril 1928, Carnap n'a pas assisté aux conférences de Brauer. Ce qui est absolument certain en ce qui concerne Gödel est qu'il a été influencé de façon considérable par le contenu de la conférence dont nous parlons, c'est-à-dire la conférence sur mathématiques, sciences et langage. Longtemps après l'événement, dans une entrée de son journal, datée du 23 septembre 1929, Carnap note ceci: 5h15, 8h30, donc ils avaient des discussions qui pouvaient durer pas loin de 3 heures. Donc 5h15, 8h30, Gödel, sur l'inépuisabilité des mathématiques. Il a juste entre parenthèses, voire feuille spéciale, je vous reparlerai peut-être un peu plus tard de ce que Carnap a noté sur la feuille spéciale. Donc, sur l'inépuisabilité des mathématiques, voire feuille spéciale, il, c'est-à-dire Gödel, a été incité à cette pensée par la conférence de Brauer à Vienne, ce qui confirme effectivement que Gödel a presque certainement assisté à cette conférence. Il a été incité à cette pensée par la conférence de Brauer à Vienne. Les mathématiques ne sont pas formalisables sans reste. Il semble avoir raison. Donc, oui, déjà en 1929, autrement dit, avant d'avoir eu connaissance des résultats d'indécidabilité, d'incomplétude de Gödel, Carnap semble avoir été convaincu que, comme il le dit, les mathématiques ne sont pas formalisables sans reste. Il semble, dit-il, de Gödel avoir raison. C'est, semble-t-il, au cours de l'année 1928 que les intérêts de Gödel se sont déplacés de façon définitive de la physique vers la logique. Il avait commencé, comme je vous l'ai dit, par des études de physique, puis il s'est semble-t-il, orienté de façon définitive vers la logique au cours de l'année 1928, et c'est un changement d'orientation dans lequel l'influence de Carnap, dont on peut dire qu'il est l'homme qui a éveillé l'intérêt de Gödel pour la logique, a sûrement joué un rôle important. Gödel s'est inscrit à un cours donné par Carnap au cours du semestre d'hiver 1927-1928. Et il a participé au séminaire de Carnap du semestre d'hiver 1928-1929, un séminaire intitulé Philosophische Grundlagen der Arithmetik, fondement philosophique de l'arithmétique. Visiblement, Gödel a fait immédiatement sur son maître une impression très forte, qui résultait sans doute essentiellement de la façon dont il se comportait pendant les cours et les séminaires auxquels il assistait, puisque dans les séances du cercle de Schlick, comme on l'appelait à l'époque, Gödel faisait preuve d'une réserve extrême et ne prenait pour ainsi dire jamais la parole. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais il y a un instant, Carnap a été suffisamment subjugué par les compétences techniques et la personnalité intellectuelle de Gödel qu'il a commencé à partir de 1928 à transcrire de façon détaillée le contenu de leurs discussions dans ses carnets. Ce dont tous ceux qui s'intéressent à la genèse et au développement des idées de Gödel peuvent certainement lui être tout à fait reconnaissants. Carnap a du reste retranscrit également à l'occasion certaines des interventions de Gödel au cours des séances du Cercle de Vienne. Celles-ci, pour être rarissimes, n'en étaient probablement que plus remarquables. Pour ce qui est des interventions plus officielles et plus formelles, il semble que Gödel n'ait donné en tout et pour tout qu'un seul et unique exposé devant les membres du Cercle. Cela se passait le 15 janvier 1931. Et l'intitulé, je crois que je vous ai déjà cité un extrait de
cet exposé. L'intitulé était Über Widerspruchsfreiheit und Entscheidbarkeit in Axiomensystemen, donc sur la non-contradiction et la décidabilité dans les systèmes d'axiomes. On dispose du manuscrit présumé de cet exposé et de la transcription de la discussion qui a suivi et qui est de la main de Rose Rand. Carnap, qui était à ce moment-là à Zurich, n'y a pas participé. En dépit de la distance croissante que Gödel a prise par rapport aux idées du cercle de Vienne, il reste vrai que même pour un homme aussi exceptionnellement doué que lui, cela a représenté une chance remarquable de pouvoir, dans une période aussi troublée et incertaine, bénéficier du soutien d'une institution de cette sorte. Du reste, comme le fait remarquer Eckhard Köhler, dans un passage que je vous ai traduit, en ce qui concerne l'espèce de miracle, sans exagération, qu'a représenté l'existence du cercle de Vienne dans les années durant lesquelles il a fonctionné. Déjà, dit-il, la simple existence du cercle de Vienne était un heureux hasard, car l'université de Vienne était déjà, depuis le début des années 20, dominée de façon prépondérante par une intelligence, une intelligentsia, irrationaliste, antilibérale et antisémite. C'est à cet heureux hasard que l'on doit non seulement la promotion grandiose, bien connue, dont a bénéficié la théorie de la science, mais également l'apport unique du point de vue de l'histoire des sciences à la logique et à la recherche sur les fondements en mathématiques auxquels a contribué Gödel. Fin de citation. Alors, il se trouve qu'un philosophe nommé Herbert Bonnert a interrogé Gödel, directement Gödel, sur l'influence exacte qu'il avait pu exercer sur Carnap, et plus précisément sur la syntaxe logique du langage de Carnap. Et alors là, vous avez, c'est un passage extrêmement intéressant, un exposé vous avez un exposé de la conception que Gödel se faisait, de l'idée qu'il se faisait de l'influence exacte qu'il avait pu exercer sur Carnap. Donc, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, qui a tendance, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, à minimiser de façon très surprenante et assez systématique. Je ne crois pas, dit-il, que Carnap, dans une mesure considérable, ait été influencé par moi dans sa syntaxe logique du langage, excepté, bien entendu, dans les passages où il se réfère explicitement à mon œuvre. Et il y en a un certain nombre. L'existence d'une syntaxe et d'un métalangage complètement précis, était déjà claire à partir de l'œuvre de Frege, von Neumann, Ackermann et d'autres. La nouvelle idée que j'ai introduite, et qui n'est pas essentielle pour les buts premiers de la syntaxe logique, était l'expression de la syntaxe dans le même langage. Donc, ce qui lui semble représenter l'apport crucial qui a été le sien aux idées exposées dans la syntaxe logique du langage, c'est le fait que on peut trouver le moyen d'exprimer la syntaxe d'un langage dans ce même langage, à condition bien sûr qu'il soit pourvu de moyens d'expression suffisants. Cette idée n'a été en aucune façon suscitée par le cercle de Vienne, ça c'est sûr. Au contraire, il y avait en son sein une tendance à considérer qu'une telle procédure était un mixage inadmissible, c'est-à-dire fautif, de choses qui doivent être tenues séparées. Donc on ne doit en aucun cas s'efforcer d'entreprendre d'exprimer la syntaxe d'un langage dans ce même langage. Cette idée a plutôt émergé comme un moyen nécessaire de mener à bien certains schémas de démonstration purement mathématiques. De plus, je peux dire que je n'ai jamais été d'accord avec la conception selon laquelle les mathématiques sont de la syntaxe du langage, et que mon œuvre a plutôt été basée sur une opposition à cette conception, comme vous pouvez le voir d'après certaines lettres et remarques de moi qui ont été publiées récemment dans le volume From Mathematics to Philosophy. Il s'agit du livre de Hao Wang, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Voyez en particulier les pages 8 à 12 et les autres passages indiqués dans la préface. J'ai une dette considérable envers le cercle de Vienne. Ça correspond à ce que dit Köhler dans le passage que je viens de vous citer. Il y a une dette objective incontestable et considérable de Gödel envers le cercle de Vienne, mais il ajoute immédiatement, mais c'est seulement l'introduction au problème et à leur littérature. Pour lui, c'est très, très révélatrice. C'est-à-dire, en gros, ils m'ont rien appris. Ma pensée ne leur doit rien. Ils m'ont simplement introduit au problème et à leur littérature. Ce n'est pas ni les réponses
ce ne sont pas les réponses. Gödel estime qu'il n'y a pas de dette envers eux en ce qui concerne le choix de ces réponses. Alors, Herbert Bonnert donc était un philosophe qui a vécu de 1918 à 1984. C'était un philosophe d'obédience carnapienne. C'était quelqu'un qui était assez proche de Carnap. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est le fait que dans la réponse qu'il donne, c'est évidemment très intéressant de voir l'opinion de Gödel lui-même sur ce qu'il a pu exactement apporter à Carnap, et plus particulièrement aux idées qui sont développées par Carnap dans la syntaxe logique du langage. Mais il est certain qu'il est tout à fait évident, si on lit de près la syntaxe logique du langage, que, encore une fois, Gödel minimise de façon considérable l'influence qu'il a exercée sur Carnap. Et la raison, c'est pas uniquement l'habitude qu'avait Gödel de faire preuve d'une modestie extrême dans l'évaluation de ses propres résultats. Il a toujours eu tendance à, je crois qu'il a été question de ça, à considérer, enfin, il a toujours eu tendance à suggérer que les choses qu'il avait faites n'étaient pas si importantes, extraordinaires que cela. Mais il y a aussi le fait qu'il tenait de toute évidence à maintenir le maximum de distance possible entre lui-même, entre ses propres idées et celles que Carnap avait développées dans la syntaxe logique du langage. Autrement dit, il ne voulait en aucun cas être tenu pour plus ou moins responsable des idées que pouvaient défendre les membres du cercle de Vienne, et en particulier Carnap. Et Warren Goldfarb, qui a rédigé une petite présentation de cette correspondance entre Gödel et Herbert Bonnert, dit ceci sur la question de l'influence de Gödel sur Carnap. À savoir sur la syntaxe logique du langage, Gödel est modeste au point de déformer la situation. Il dit que Carnap n'a pas été influencé dans une mesure considérable quelconque par lui-même dans cette œuvre et que l'arithmétisation n'était pas essentielle pour les buts premiers de la syntaxe logique. L'explication que donne Carnap suggère plus que cela, je crois même nettement plus. Goldfarb cite un passage de Carnap qui dit ceci: « Ma façon de penser a été influencée principalement par les investigations de Hilbert et Tarski dans la métamathématique. J'ai souvent parlé avec Gödel sur ces problèmes. En août 1930, il m'a expliqué sa nouvelle méthode qui consiste à faire correspondre des nombres aux signes et aux expressions. » Donc c'est la méthode de la numérotation de Gödel. Donc vous voyez que Carnap a bénéficié d'une explication de cette méthode dès le mois d'août 1930. Il m'a expliqué sa nouvelle méthode consistant à faire correspondre des nombres aux signes et aux expressions. Ainsi, une théorie des formes d'expression pouvait être formulée à l'aide de concepts de l'arithmétique. Donc non seulement il était possible de parler de la syntaxe, du langage, mais il était possible de le faire en langage arithmétique. Et Goldfarb continue en disant « L'arithmétisation était importante pour Carnap à cause de la capacité, à cause de la faculté qu'elle nous donnait de formuler la syntaxe à l'intérieur d'un langage arithmétique visiblement irréprochable. Et c'était une possibilité qui répondait aux doutes émanant de Wittgenstein et partagé par certains des membres du cercle de Vienne, les doutes consistant, reposant sur le fait que la structure logique d'un langage est une chose qui ne pouvait pas du tout être décrite. »